out with straight shots and then pop bottles. Yeah. Flirt with the hood rats, then pop models. Uh-huh. Talk with that. Straight shots and then pop bottles. Yeah. Flirt with the hood rats, then okay, pop bottles. Okay, we popping champagne like we won a championship game. Look like I got on a championship plane. Cause I bought it. Good. Desk. I ain't got a lot of Nikes, but I got a lot of checks. Money. Got my own shoe, brand new on a set. Alors moi je m'appelle Saji, je fais partie de la compagnie Magic & Smooth, donc ma spécialité c'est le pop-in, et je viens aujourd'hui juger le battle. Moi c'est Naïm, 24 ans, du nord de la France, la banlieue de Lille. Moi c'est Salas, danseur hip-hop, je viens du nord de la France, Lille, j'ai 27. Donc je m'appelle Jidavi, je viens de France, je fais partie des crews, 59 Crew et Légion X. J'ai 23 ans et ma spécialité c'est pop-in et aujourd'hui c'est ce que je vais juger. As I recline behind my desk, I ain't got a lot of Nikes, but I got a lot of checks. Money. Got my own shoe, brand new on a set. Went from alors, ça, encore une fois, ben, faudrait peut-être demander à la MJ. Mais logiquement, en fait, ce qui se passe, c'est que les danseurs de même préfèrent avoir des jurys d'ailleurs pour qu'il n'y ait pas de copinage en fait. Donc c'est toujours mieux d'avoir des danseurs qui viennent d'ailleurs, comme ça, en fonction du jugement du jury, ben, il n'y a pas de « ah oui, c'est mon pote », parce que fatalement, un danseur belge ben, va d'office connaître le danseur en question, donc il y a un peu de favoritisme. Donc c'est pour ça que je pense que voilà, c'est toujours bien d'avoir des jurys d'ailleurs quand on fait un événement belge, quoi. Donc c'est pas qu'il n'y a pas de niveau, qu'il n'y a pas de danseurs de haut niveau ici. D'ailleurs, au Juste Debout, on a eu deux finalistes, Zach et ADN, qui ont représenté au Juste Debout donc le championnat du monde qui s'est fait à Bercy. Donc ils sont arrivés quand même assez loin, je pense qu'en finale. Donc non, ils sont arrivés en demi-finale, donc comme quoi c'est pas rien, quoi. Donc le niveau belge, il est très très présent. Et donc voilà, si on a des jurys français aujourd'hui, c'est tout simplement pour que ça soit démocratiquement fiable. As I recline behind my desk, I ain't got a lot of Nikes, but I got a lot of checks. Money. Got my own shoe, brand new on a set. Vu que l'événement là, c'est dans une bonne petite salle, c'est pas trop grand, c'est comme il faut, c'est convivial. Donc les présélections s'est bien déroulé. Ensuite au niveau du niveau, ça varie comme dans tous les battles. Il y aura des personnes qui débutent, comme des personnes qui dansent depuis quelques années, comme des personnes qui dansent depuis longtemps. Et donc voilà, on en a sélectionné 16 de chaque côté, aussi bien en hip-hop qu'en pop. Et maintenant bah, ça va être les battles et on devra départager quoi. Bah pour l'instant il n'y a eu que les sélections. Le niveau est correct. Et puis mais je pense que en tout cas l'aménagement de la salle il est très bien. Et le son est très bien, donc je pense que les danseurs vont essayer de se lâcher et de donner leur maximum. Mais je pense qu'on ouais, on va passer une bonne journée. As I recline behind my desk, I ain't got a lot of Nikes, but I got a lot of checks. Money. Got my own shoe, brand new on a set. Went from sitting in a... C'est un événement organisé par la Maison des Jeunes de Couillet. Donc j'ai été contacté par eux pour la présentation. Et donc voilà, donc en gros c'est un battle new style. Et pop. Donc, en gros, des danseurs se sont inscrits et donc ils ont fait une préqualification à huis clos. Et donc là maintenant, ils vont être 16, 16 de chaque catégorie. Et donc 300€ à gagner. Et donc voilà, ce sera en mode battle, en bon esprit. Donc voilà. C'est le premier événement mis en place en termes de danse. Donc je trouve ça super intéressant. Et donc voilà, c'est une première. Les danseurs n'attendent que ça, de trouver, d'avoir des lieux ou des concours pour justement pouvoir se confronter, savoir quel est le niveau de maintenant. Et donc
Donc c'est toujours une opportunité pour eux, donc ils sont super contents. D'ailleurs, on a des gars qui viennent de Bruxelles, de Tournai, Liège, un peu partout, donc pour montrer la motivation justement des jeunes pour ne fût-ce avoir un endroit où ils peuvent s'exprimer. Donc c'est toujours mieux que rien, moi je dis.